Ça, c'est une boîte PC Pokémon, et ça, c'est la grille qui la compose. À tour de rôle, avec The Guild, on va devoir faire comme à la bataille navale et annoncer un nom de case parmi la grille adverse. Évidemment, on ne peut pas voir le contenu de cette case, et c'est là où le bluff rentre en œuvre. On va pouvoir à tour de rôle mentir ou non sur le contenu de la case, afin que notre adversaire sélectionne le Pokémon ou le refuse. On peut donc se retrouver avec un monstre de puissance ou une crotte. Nul. Et là où ça devient encore plus croustillant, c'est que si l'on choisit de ne pas prendre le Pokémon de la case, alors c'est l'adversaire qui se retrouve avec. Ça peut donner lieu à de sacrés rebondissements. Et une fois qu'on a 6 Pokémon chacun, on s'affronte dans un match 2v2, et que le meilleur gagne. J'ai faim, je te le dis, j'ai faim. Là, ça fait 10 millions d'années qu'on attend, là, on a faim, là, on va jouer. J'ai envie de savoir si ça va enfin être l'épisode de est-ce que Sneeze va réussir à mentir au moins une seule fois dans l'épisode, quoi. T'as enchaîné 3 épisodes où t'as pas oui, menti bon, une ça seule va, fois. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. T'as aussi enchaîné 5 épisodes où t'as pas gagné une seule fois, mais ça, c'est. Enfin, allez, pour la peine, je vais shoot en 5D pour Yu-Gi-Oh! 5DS. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc Moi j'ai envie de te dire, c'est pas non plus, voilà, c'est pas... Enfin tu verras quoi, tu verras, je... Après, est-ce que je mens ou pas? Si je choisis de pas le prendre, tu te retrouves avec. Ouais, ouais, ouais. Bah ne le prends pas. Prends-le, je veux dire, pardon. Oh là là, merde, oh. Les gens, ils bluffent toujours mieux que moi. Moi je suis foutu dès le départ en fait, c'est ça le problème. Est-ce que tu le prends? Est-ce que tu ne le prends pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais le prendre, vas-y, pour le premier, je suis obligé. Bon, t'as eu le seul bon de ma grille, voilà. Non, c'est vrai? Ouais, ouais, si, si. Hein. C'est qui? Le nouveau Suicune. Ah ouais? Oh putain, je l'ai jamais utilisé. J'ai un légendaire instant, là. Ouais, 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 ça commence bien. Mais la dinguerie, alors, Guile, comment ça se passe ici, là? Bon, écoute, on va voir bien, là. Ça fait plaisir. Du coup, là, maintenant, c'est à moi de choisir, ouais. Hein, sur ta grille. Ouais, d'accord. Ouais. Je vais regarder ce qui est à peu près potable chez moi, et je vais piquer la même chose. Ah ouais? Et donc, je vais dire B3. Alors, B3, c'est vraiment pas dégueu. C'est pas le meilleur Pokémon, non plus, hein, faut pas déconner, mais c'est un Pokémon pas dégueu. En tout cas, il est entièrement évolué. Est-ce qu'il peut pas y avoir mieux après sur ta grille? Ah, il y a clairement mieux. Ok, bah moi, je vais pas le prendre. Voilà. Mais merci, en fait, c'est Sucrène. Non, c'est vrai. Ce qu'il a pas dit, c'est qu'il m'a invité exprès pour gagner. J'ai pas menti, c'est pas le meilleur Pokémon du monde, mais c'est pas un Pokémon dégueulasse. Mais c'est ce que je me dis, tu vois, quand tu dis le nom, je me dis, t'as peut-être mieux chez toi. Et puis quand je vois ce que j'ai, je me dis, ça peut s'arranger, tu vois. Je te rassure, il y a 4 cases si tu tombes dessus. Je suis dans une merde. Moi, je sens que tu vas me régaler là sur ton choix là. Vas-y, je vais utiliser ta technique. Je vais prendre, si c'est bien chez toi, je le prends chez moi. C6. Ouais, bon, écoute, c'est plutôt pas trop mal. Honnêtement, c'est plutôt pas trop mal. C'est un bon Pokémon. Pokémon de la première génération. Ouais, ok, je le prends pas. Première génération, je déteste. Eh ben, c'est Dracolos. Du coup, je récupère Dracolos. Oh putain, merde. Et ça fait plaisir. Ah, et ça fait plaisir. Oh non. Ah là, ça me régale, là. Son premier Pokémon, c'est moi qui lui donne, et c'est un Dracolos. Et attends, t'as vu ce que je t'ai donné en premier Pokémon? Attends, tu vas me laisser quand même un truc bien, là. Attends, mais rien que là, les 3 premières cases, elles sont incroyables, j'aime trop. Ouais, les 3 premières, elles sont insane, là. Elles sont vraiment sympas. Je vais dire E1. Oh là. Ok. Si tu pouvais ne pas le prendre, ça m'arrangerait, mais... Il y en a un tout petit peu au-dessus, il fait encore plus peur. Donc ça veut dire que celui-là... Ça fait pas spécialement peur, mais un peu quand même. Je pense qu'il se fait one-shot facilement, mais ça reste un bon Pokémon. Il y en a un qui t'a dit pas très loin au-dessus. Moi, je sens que tu baites comme jamais. Il y a quoi? Il va y avoir un Kunotor au-dessus, un truc comme ça, là, je le sens. Le Kunotor en question. Hein. Pour l'instant, t'es bloqué dans E1. Réfléchis à E1 d'abord. Hein. Je sais pas quoi faire, là, parce que là, un Pokémon qui se fait facilement one-shot, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça dans mon équipe? Et est-ce que, si ça se trouve, tu me baites, et si ça se trouve, c'est un truc complètement pété? En vrai, sachant que j'ai Suicune, un petit laser glace, et c'est foutu. Hein. Ouais, bah, vu ce que tu viens de dire, je vais le prendre, parce que je pense que tu me la mets à l'envers. Tu te retrouves avec deux Pokémon qui sont exactement du même type. Let's go, ça me met trop bien. C'est quoi? Un Bruiverne. Ok. Ah, ça, ouais, ça va. C'est un bon Pokémon, mais tu te retrouves avec deux Pokémon qui supportent pas le laser glace et j'y suis qu'une. Et c'est vraiment en plus exactement les mêmes types. Je vais essayer de changer un peu de ligne et de colonne. Attends, mais je viens de voir que dans ma grille, il y a deux Pokémon, c'est les mêmes. Vas-y, je vais prendre. Ah. 4, comme les feuilles. Ouais, je pense que tu le sais pas. Mais écoute, je vais te dire un truc simple, c'est mon Pokémon préféré. Oh! De tous les temps. Je pourrais te le donner et être super sympa. Mais est-ce que c'est un bon Pokémon ou un mauvais Pokémon? Est-ce que c'est un bon Pokémon ou un mauvais Pokémon? Vas-y, je te donne un petit indice. Non, je veux pas ton indice. Vraiment, il y a vraiment mieux. Allez, tu sais quoi, je suis grand prince, je te le donne.
Moi ça me va parce que je vais jouer du coup mon Pokémon préféré. Après bon, pas la meilleure des évolutions hein, c'est Givrali donc. Ok, ça va. T'as un Poké-type glace qui est très bon sur la défense spéciale, donc en vrai Tu sais que là j'ai une team pour l'instant, j'aime beaucoup ma team là. Que des Pokémon que j'aime bien là, donc ça me fait plaisir. Du coup c'est à moi de pique là. Ouais. Ah, c'est dur hein, qu'est-ce que je vais prendre là. C'est dur hein. Alors tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait un Pokémon au-dessus qui faisait vraiment peur là, au-dessus de E1. Mm-hmm. Mais est-ce que tu te fous pas un petit peu de moi? Mm-hmm. Et moi j'ai pas envie de partir là-dedans parce que je sais que tu fais exprès de m'attirer là-bas. Et après le problème c'est que si on choisit, c'est soit moi qui l'ai et soit toi qui l'as. Et si je le prends pas, je vais encore plus me retrouver dans la sauce. Ton cerveau est retourné là. Ouais, là le concept est vraiment bien, j'aime beaucoup. Je vais partir sur A5. Oh, ok, ok. C'est un Pokémon qu'on n'a pas encore vu dans les starters à l'aveugle en tout cas. Ah, c'est un starter du coup. Non. Non. Il fait pas rêver, je suis désolé de te le dire, il fait pas rêver. Ah ouais. Moi je le prendrai pas à ta place. Ah oui, mais l'épisode est pas encore sorti. Ah, tu allais parler de l'épisode de la semaine dernière, c'est ça? Ouais. Bah si tu veux, on peut faire pause et on reprend le tournage après que l'épisode soit sorti, si tu veux. Comme ça, au moins, je capte un peu le truc. Est-ce que c'est un Pokémon qu'on rencontre plutôt au début du jeu ou vers la fin? Non, vers la fin. Vers la fin du jeu, un Pokémon qui fait pas rêver. Ouais, c'est l'un des Pokémon, moi, il me fait pas bander quand je tombe dessus, quoi. Oh, comment je sens que tu me mens tellement, mais en même temps, je peux pas le savoir. C'est ça qui est exceptionnel avec ce concept, c'est qu'on peut pas le savoir. Mais vas-y, je suis joueur, je vais y aller, je vais le prendre. Putain, j'aurais bien aimé l'avoir. Dommage. C'est qui? C'est Arkéomir. Attends, mais là je vais bien tank là par contre là. Mais ouais, je voulais pas que tu l'aies. Ok, j'ai bien fait de m'écouter. Le duo Givrali Arkéodon, comment je passe ça moi? Je vais prendre. Allez, Détroit. Détroit. Comme la ville. C'est un Pokémon plutôt ok. Je le prends. Ok, bah c'est Chamallow. Pas forcément rêver quoi. Oh mais attends, mais oui, mais en fait Camiru, il me fallait un type feu, je suis trop bien. C'est ça qu'il me fallait. Bon après c'est pas non plus le Poké qui fait le plus rêver. Ouais non, quoi. Clairement pas. Mais il me fallait un type feu. Moi je l'ai eu mon type feu. Je vais partir sur... Moi j'aime bien faire les angles en bas à droite. Je vais faire E6. C'est encore un type dragon. Ah, quel dommage. Et encore un type dragon de la 6ème génération. Oui, il n'a pas 10 000 en plus. Attends. Un type dragon de la 6ème génération. Après, t'es à 3 Pokémon, je suis à 4. Je vais te le laisser. Vas-y, moi, je suis ok avec ça. Hein. C'est quoi? Mucuscule. Donc, Muplodocus, moi, ça me va. Hein. Honnêtement, ça m'aurait posé problème d'avoir 3 types dragons, je pense. Ça va être un match intéressant. Ouais, pour l'instant. Le match va être vraiment très nouveau match-up et tout, c'est intéressant. J'adore le concept, c'est trop bien. Il nous reste 2 choix chacun. Il y a ce Poké qui est dans ma grille depuis tout à l'heure et que j'aimerais bien. Donc, je vais... Allez là-dessus, B2. C'est pas trop mal, mais bon, est-ce que... Alors moi, il me sert à rien celui-là, déjà, ça c'est sûr. Je pense que ça pourrait être pas trop mal pour toi, en étant 100% honnête, bien sûr. Hein. Ouais, non, mais moi je te crois 100%. C'est un Pokémon de la 8ème génération. Il fallait pas me dire ça parce que je suis un bandeur de 8G, je vais le prendre de suite. C'est un Poké de type O de la 8G, là. Oh non, pas type O, non, pitié, non. C'est Torgamore. Mais j'ai envie de me flinguer, comment ça, il est pas mal, c'est le pire Poké de la 8G. Putain! Bah, je t'ai dit, en toute honnêteté, je t'ai dit. Mais les Pokémon que j'ai, je les aime pas forcément, mais contre ta team, ils sont pas mauvais. Ouais, c'est ça en fait. Sauf un. Allez, en plein milieu, C4. Je te jure que je ne mens pas, je te le promets. C'est encore un type Dragon Ball. Je te jure que c'est vrai. Attends, type Dragon Ball, après y'a quoi? Rayquaza? S'il y a des légendaires chez moi, enfin y'en a un, je pense qu'il y en a un chez toi. Oui, y'en a un. Je vais être en RP 100% honnête. Ouais. Je n'ai pas menti une seule fois de la game parce que je suis trop nul à ce jeu. Mais je sais, mais tu mens jamais, je le sais. Et je te jure que le légendaire est au centre de la grille. Ouais, là où j'ai pique quoi, en gros. C'est ça que t'es en train de me dire là. Là t'es à 5, donc si je te le donne, c'est ton dernier là. Ouais, mais tu me ferais pas ça quand même. Tu me laisserais pique, non? Après, moi tu me donnes un Dragon Ball, c'est pas grave. On se retrouve avec 2 Dragon Ball, ça s'équilibre un peu. Des Dragon Ball, il y en a pas non plus 150 milliards. Mais j'ai quand même envie de me faire confiance et j'ai vraiment peur que ce soit Rayquaza, donc je vais le prendre. C'était de la 3ème génération, je tiens à te le dire. Ok. Bon, bah il y en a pas 10 000 hein. Mais c'est pas Rayquaza. C'est quoi? C'est Altaria. Ça c'est de la merde par contre. Ça, c'est juste à côté. C'est bien ça, hein, tu peux pas en prendre d'autres là. Ah si. T'as encore une place? Bah ouais. Merde. Bah ouais. Oh non. Ah ouais. Oh, je t'ai donné une indication sur où est le légendaire. Ouais, t'as dit qu'il était juste à côté quand même hein. Ah moi. Merde, putain. Attends, C4 toi t'avais dit hein. Ouais, j'avais dit C4 ouais. Et tu sais quoi, je vais dire C4. Je te le dis, ce n'est pas un légendaire mais c'est un excellent Pokémon. Est-ce que je pourrais faire c'est ne pas le prendre et te le donner, comme ça tu peux pas prendre le légendaire dans ma grille. Oh bah, et imagine c'est un légendaire également. Non. Mais ce jeu est horrible. C'est un excellent Pokémon, et pense à un truc. C'est que si tu me le laisses, moi ça m'arrange, parce que là pour l'instant j'ai une team, à part Altaria, elle est très très bien ma team, donc moi ça me va. Je vais être beau, je vais prendre ton Pokémon. Mais tu vas être tellement content quand tu vas savoir ce que c'est. C'est Cléopsytra, et c'est vraiment exceptionnel quoi.
Mais j'en peux plus de lui. Est-ce qu'il veut me lâcher le cul un jour? J'en peux plus de celui-là. Je ne sais pas m'en servir. Il se fait one shot à chaque fois. Je ne sais pas me servir de ce poké. Non mais oui, c'est pour ça que je suis très content que tu le prennes, parce que je n'en voulais pas. Tu m'as mis un faux espoir en plus à dire oh, tu vas être trop content. J'ai envie de me tirer une balle moi. Ah c'est pas grave, vas-y, ça c'est à toi. T'es free, tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, prends-le, le putain de légendaire. Ouais, ou alors tu sais, je pars complètement à l'opposé. Le mec a rien compris. T'sais. Je sens qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est soit à gauche, soit à droite. Mais tu répètes beaucoup depuis tout à l'heure que c'est à gauche. Ouais. Mais vu que tu ne mens jamais, je me demande est-ce que... C'est ça le truc, c'est que je mens jamais. Hein. Non, mais vas-y, allez, je vais aller sur ces trois et puis comme ça, au moins, on est fixé. Il faut que j'apprenne à mentir un jour. Il faut que j'apprenne à mentir. C'est You. Oh oui. Oh, c'est très très bon ça. C'est très bon. Mais en plus, le pire, c'est que tu m'as donné l'info. Mais je suis trop nul, je te jure, je suis trop nul. Pourquoi je dis il y a un légendaire au milieu. Tous les Pokémon, c'est des dragons. Il faut que je ferme ma gueule en fait. T'es quelqu'un de trop honnête. Et je pense que c'est pour ça que les gens t'adorent. Hein. Ouais, ouais, c'est aussi pour ça que je fais que perdre. Ouais. Eh ben écoute, les équipes s'affichent actuellement à l'écran. Elles sont, no joke, je pense que c'est parmi les meilleures équipes qu'on a depuis le début des séries des trucs à l'aveugle. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir le combat, ce que ça va donner. J'ai très hâte aussi. Et d'ailleurs, on se retrouve de suite pour le match. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like si la vidéo te plaît, bien sûr. Je répète ça chaque semaine, mais c'est très important que ce soit pour le référencement ou le bien de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Et de suite, on passe au match. Oh là 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 là, les items. Ça, y'a rien qui va, tu vas me laver. Tu sais pas ce que j'ai fait. Mec, ça va être une folie. Bon, mec, il faut parler du fait qu'on ait exactement la même photo de profil. Ça, c'est incroyable. Ok, j'ai une stratégie pour mon tour 1. Ça se trouve, c'est un flop monumental. Hein. Moi aussi, potentiellement un énorme flop là. L'avantage que j'ai, c'est que ça fait des semaines que je me fais laver le cul. Ah mais là ce soir c'est le moment là. J'ai appris de mes erreurs. Avec la même photo de profil, tout pareil. Ouais mais alors est-ce que la carte ce sera la même? Ça c'est pas dit. J'ai même pas si elle est custom ma carte, fais voir. Mais elle est stylée, en vrai, ouais, ça ressemble un petit peu. Hein. Tu l'aimes bien ce Pokémon, non? Putain, on est encore dans le conseil 4, j'en peux plus d'être dans le conseil 4. Par contre la musique. Hein. Oh non. Quelle dinguerie. C'était exactement le scénario que je voulais pas. Après, qu'est-ce que tu me fais avec Yu-Yu ou tu me fais absolument rien? Ah bah, tu t'es pas prêt. Tu sais pas ce que je vais te faire là. Tu sais pas quelle attaque je cache là. Non, c'est vrai. C'est vrai que je sais absolument pas. Oh, regarde bien ce que je vais te faire. Attends, mais il est immense le poké là. Non, mais par contre, j'avoue qu'il est, énorme. Hein. Je suis choc-barre de BZ. Regardez, il est tellement grand. Oh, il retire? Ok. Alors peut-être que tu sais pas ce que je vais faire au final. J'envoie inutile là. D'accord. Inutile est de retour, regarde, inutile. Hein. Il est là, le seul, l'unique. Oh, tu terras, Mais je savais que t'allais te retourner. Ouais, tu me l'avais dit, tu savais que tu allais le faire. Parce qu'apparemment, je le fais tout le temps. Mais regarde bien, Terra Feu. Eh oui. Mais pourquoi? Comme ça, tu sais pas ce que je vais faire. Tu sais pas comment me taper, tu sais pas ce que je vais faire. Mais tu fais abri du coup. Eh oui, je fais abri. Ah, bien joué, parce que je t'ai vraiment tapé en plus. Ah, c'est vrai? Non, le vent arrière, j'en peux plus de cette attaque, vous faites tout ça. Vous le faites tous, mais ça sert à rien, parce que regarde bien. Éboulement, double, super épique, non. Ouh, les dégâts sont là, pas du tout. Mais attends, absolument, mais comment ça les dégâts? Mais comment ça? Ah, t'étais pas prêt à ça. Non mais alors là, je suis dévasté. Y'a le vent arrière, vous m'emmerdez tout le temps à mettre le vent arrière, vous êtes toujours plus rapide et tout. Ok, vas-y, je vais faire ça, allez. C'est-à-dire faire ça, oh non. Lui aussi, il était cristallisé. Attends, parce que du coup... Classical, oh le normal. Attends, mais c'est pas un move super strat ça, de faire Dracolos Terra normal? Je t'avoue que c'est littéralement le seul truc que je fais en quand je joue en ligne. Je fais ça tout le temps. Wow, c'est le seul bon dégâts. Oh non. Attends, oh ok, j'aime bien. Okay, j'aime bien. Tu me tues au prochain tour, j'avoue. Sauf que moi aussi. Ok, et moi, normalement, je tue. Bien joué. Mais voilà. Je suis content, t'as tué inutile. Let's go. Ouais, il était bel et bien inutile. Oh non, tu mets le sun. Oh, je mets le sun. Mais... Oh le bâtard. Mais faut pas oublier que tu as du Yu-Yu. Attends, la paléosynthèse. Non, mais ça augmente l'attaque spé, ça augmente pas la vitesse. De toute façon, j'aurais quand même été plus long. Je déteste le voir rire, je déteste attaque. Allez go. Oh je déteste Briverne. C'est bon, on a compris. T'es pas prêt pour ma petite strat. Oh regarde, je suis obligé. Bien joué. Évidemment. Est-ce que tu tapes... Ok, tu tapes le vitesse extrême sur ça. C'est parfait. Mais quoi? Non. Mais... Attends, mais non, mais tu tues pas. Regarde. Ah, mais attends. Attends, regarde bien. Herbe blanche. Bah, c'est ce que j'ai mis, non? Bah apparemment pas. Ah non. Je me suis trompé d'herbe. Ah j'ai mis la mauvaise herbe.
Je crois que j'ai pas mis la bonne herbe. Je crois que j'ai mis l'herbe mentale, je crois. Oh, ma strat, elle était stylée en vrai. Let's go. Oh, la strat de fou. La strat était sympa quand même. Mais c'est parce que j'ai voulu faire ça rapidement. Vous savez, j'ai fait mon équipe en 5 minutes, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que je meurs quand même du vitesse extrême? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. No joke, je sais pas quoi faire. Je suis un peu stuck in the washing machine là. Moi, je suis dans une sauce. Mais alors, bien comme il faut là. Est-ce que ça tue? Je sais pas, non, parce que du coup, je t'ai brûlé. Oh, ouais, je tiens à 1 HP! Mais, oui. Ah, yes. Ouais. Ok, ça va. Putain, le 1 HP qui aurait pu être salvateur s'il n'y avait pas le vent arrière de merde! Ah ouais, le vent arrière là, ça met bien là, j'avoue que là. Putain, j'aurais dû brûler premier tour, j'aurais pas dû réfléchir. J'ai un peu mal joué. C'est vrai que feu follet c'est sympa, ouais. Est-ce que c'est Yuyu qui rentre? Est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu vas envoyer là? Ah bah oui, c'est Yuyu qui revient. C'est Yuyu qui revient, et oui, évidemment. Évidemment, mais est-ce que je peux toucher les deux là cette fois? Est-ce que je peux toucher les deux? T'as le gros cul de Cameroun qui prend la moitié de la caméra, on voit plus tes Pokémon, okay, c'est trop grave. Ça fait du dégât, ouais, moi chez moi, c'est Dracolos qui prend tout, je vois rien. Là, il y a un gros plan sur le cul de Cameroun, c'est très très grave hein, ce cadrage de caméra. Ah, il y a plus de vent arrière, ça va, t'es bien là. Je suis pas si bien que ça. Hein. En vrai, je suis content, j'ai sorti le Poké qui me faisait un peu chier là. Je suis vraiment pas si bien que ça là, c'est très très chaud. Comment je fais? Je suis foutu. Hein. C'est qui Slay? Slay. Slay, c'est Sucrène. Ah, le fameux! Mais ouais, je lui ai pas donné le bon objet. Mais FF! Toi aussi, t'as fait ça? Ah, on est bien, ouais. À tout moment, je suis plus rapide. Allez. Vas-y, je prie. Oh oui, je suis plus rapide! C'est parfait! Ouf. C'est parfait! C'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. Je suis content d'avoir fait ce move, du coup. Ça me, ah ouais? Ça, ouais, je suis à peu près content d'avoir fait ça, ouais, du coup. Ah ouais? Parce que j'ai hésité. Ok, ça va. Attends, mais est-ce que tu tues Cameroun? Oh oui. Non! Let's go! Ok, oh non. Ok. Parce qu'au début, je voulais faire une autre attaque et j'ai switché sur ça au dernier moment. Non! Et oui, je suis hors de vie. C'est non, pour ça. Il remet le vent arrière, mais j'ai envie de me suer, de sauter du pont, j'abandonne des masses. Attends, mais mec, j'ai 10 HP, hein. Tu me tues au prochain tour à 100%. Bah ouais, d'accord, mais bon. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai un truc où je peux faire demi-tour tout le temps avec Sucrène. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, mais non, parce que je suis plus lent maintenant, putain! Attends. Ah, il faut que je. En fait, que tu sois plus rapide, Sucrène, je t'en supplie. Non! Aïe 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 aïe! Aïe oui! Ça dégage! Oh là 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 là! Mais le vent arrière qui baisse tout, ça m'emmerde! J'en peux plus! Yuyu, il est mort! Ouais, il est mort, voilà, il est mort! Aïe, heureusement, il meurt, mais putain! Il a fait son taf, il a vraiment fait son taf! J'aurais pu sauver Sucrène! Non! Atterrissage! Non, c'est trop grave! Ouais, j'ai pas envie de jouer le temps. Atterrissage. Oh, tu mets ça? Oh, ouais. Ah ouais. Je me dis que ça peut être utile. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? T'es plus rapide que tous mes Poké. One shot qui rentre sur le terrain. Alors ça c'est très bien par contre. Hein? Ça c'est très bien, c'est exactement ça que je voulais hein. Ah ouais? Ça t'arrange toi? Ah ouais, là, ça m'arrange de fou hein. Mais ça m'arrange tellement, mais tu ne peux pas. Bah ouais. Tu n'as pas on idée. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Ok, t'es extrême, mais t'es brûlé, jamais de la vie, tu one shot. Ouais, non, je fais pas de dégâts, mais c'est juste histoire d'enfer. Hein. Regarde bien, par contre. Bim. Oh, je tank. Tu tankes peut-être. Lyophilisation, d'accord, je tank. Et non, tu tankes pas, mon gars. Et non, parce que c'est super efficace, et oui. Et je suis en bevis, c'est pour ça. Et oui, et du coup, je le perds, mais il a servi à quelque chose. Il s'appelle one shot, et c'était pas parce que j'allais me faire one shot. C'est parce que c'est moi qui allais one shot quelqu'un. Mais je suis. Le pire dresseur de la planète, c'est pas possible d'être aussi vitesse de Phoebus. Les deux Pokémon, je leur ai mis hors de vie, je les ai fait se suicider. En vocal, il me disait, ouais, je vais mettre les grosses bottes sur tous mes Poké. Non, c'est trop grave. Oh non, il restait lui. Il est là. Non, je peux pas le passer. Je peux plus switch. Ah, tu peux plus switch, du coup. Ah. Je pourrais jamais le passer. Foutu pour foutu. Oh. Oh, oh, oh là là. Oh la folie. J'ai tapé à gauche. Let's go. Ah, mais je m'en doutais que t'allais faire ça. Mais arrête. Non, je c'est trop grave de faire atterrissage. Je m'en doutais. C'est trop grave de faire ça. Avant qu'on fasse le match, il m'a dit, j'ai tryhard le truc, j'ai fait une team tryhard cette fois. Pas de problème. On va voir. Non, c'est trop grave. Le mec, il va me abri atterrissage stall, là, vraiment. C'est ça qui va se passer? Je fais zéro dégâts, le Lumino Canon ouais, a rien fait. C'est vrai que, par contre, Lumino Canon, ça a pas fait grand-chose, hein, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Non, vas-y, mais ici, au moins, Flibus, t'es 100% plus rapide, maintenant. Mais, ok, colère, sûr. Ouah. Et par contre, t'as vu les dégâts mais alors qu'il est brûlé? Choc barre de BZ. C'est une folie, les dégâts, alors qu'il est brûlé. Et je meurs de la brûlure, ça va. Mais attends, mais tu goudras? Oh,
Mais quoi? Mais c'est quoi tes pokés? Mais c'est quoi cette merde? Oh, les dégâts de fou! Mais je vais vraiment perdre ce match, mais j'ai fait la team parfaite pour te contrer! Oh, les dégâts de fou! Mais tu sais que je pensais pas que Archeodonk ferait aussi mal, hein. C'est une folie, hein. Non, ah, mais là, c'est trop grave. Je suis premier degré dégoûté de me faire à ce point-là outplay. En plus, je suis plus lent que Bruiverne. J'ai 100% perdu. J'ai gagné, j'ai jamais gagné. Oh, je jure que pour le prochain épisode, j'invite le Mugacé. Il est nul à Pokémon. Et en plus, tu rates pas mes Dracomédie. Mais si je me casse. Je joue à ce jeu de merde. Je suis trop nul à ce jeu. Je sais pas pourquoi j'y joue. C'est trop grave. Ah, c'est un bon match. Chaque épisode, je suis là. Sniff, tu sais pas mentir. Tu devrais peut-être apprendre à mentir. Sniff, je vais pas jouer à Pokémon. Tu fais que perdre. Je sais. Je suis au courant, les gars. Je suis au courant. Mais c'était sympa en vrai, tes stratégies. Ça marchait bien. Hein. Ouais, de fou. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait très plaisir. J'ai adoré. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai vraiment passé un super moment. Moi, j'adore les épisodes. Dès que ça sort le week-end, je suis là. Dès que ça sort, je regarde instantanément. Je mange et je passe toujours un plaisir de fou devant. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Et ça a été très fun de mon côté, même si j'ai perdu, on s'est amusé et le concept était incroyable. Genre vraiment, la sélection des starters en mode bataille navale, c'était incroyable. Il faudra peut-être que tu montes un jour quand même. Hein. Et tu sais quoi? On verra ça dans le prochain épisode. La semaine prochaine. Tu m'as tendu une perche pour l'intro, là, c'était pas... t'as vu, c'est incroyable.